Salut les noobs, aujourd'hui je vous montre mon Yop Juste Lame. C'est mon premier perso sur Wyvern, c'est le deck que j'ai à vous présenter le plus abouti puisque c'est celui que j'ai joué très tôt et qui continue à être bien efficace plus tard. C'est un personnage, le Yop Juste Lame, qui est très fort en solo, sur lequel vous ne pouvez pas forcément mourir dans la mesure où vous connaissez correctement votre personnage et votre passif. Et il est aussi très utile en team, parce qu'un personnage qui peut survivre longtemps en équipe, ça permet surtout à vous, vos alliés, une fois qu'ils sont morts, ils peuvent continuer à faire des dégâts. Donc vraiment, vous avez un gros intérêt à jouer en équipe avec. Le Yop Juste Lame, c'est un personnage dont le passif, c'est qu'il va proc des shields quand il va déclencher l'état mêlée. Alors l'état mêlée, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez un sort sur lequel il est indiqué mêlée plus 24 points d'armure. Par exemple ici pour l'élémentaire, bah simplement vous déclenchez l'état mêlée et votre perso il dit merci, c'est mon passif, justement j'ai besoin d'état mêlée donc je prends du shield en plus. Donc on essaie d'avoir énormément de shield, d'armure sur ce personnage mais gratuite et ensuite il faut capitaliser sur cette armure. Bien sûr ça va vous servir à survivre plus longtemps en combat mais l'armure peut aussi vous servir à faire des dégâts. On verra ça plus tard. Alors concernant le deck, d'abord c'est un deck neuf pour avoir un maximum de contrôle sur nos actions et deck neuf mais avec 5 sorts d'éther. Ça veut dire qu'ici, vous n'avez que 4 attaques qui sont des attaques élémentaires que vous allez pouvoir améliorer. Donc ça, c'est un certain confort parce que je vous disais, ce perso, il est efficace très tôt sur Wyvern, dès le niveau 15 avec un petit niveau 30 où on a une augmente en plus qui nous permet encore plus de profiter de notre armure. Mais il est vraiment efficace très tôt, ce deck. Donc ça coûte pas grand chose en fait à améliorer niveau sort parce que comme vous le voyez, le reste c'est de l'éther, vos sorts d'éther ne s'améliorent pas avec des gemmes de sort. Parce que oui, ça coûte cher au bout d'un moment de stuffer un perso et lui vraiment il vous coûtera pas grand chose. Vous n'avez même pas d'item légendaire, c'est pour vous dire. Alors ensuite les compagnons, on va voir de la championne périmée, mais surtout la plus utile c'est Lou. L'objectif de votre Yop c'est de très vite rush Lou. Pourquoi Lou? Parce que Lou va vous donner toutes vos cartes que vous avez dans votre deck à 3 PA. Et en plus, Lou, quand vous lui mettez une certaine augmente, qui est celle-ci, elle vous donne vos cartes qui sont à 3 PA de base à 2 PA. Et c'est bien parce que sur ce deck, la moitié de vos sorts, presque, sont disponibles à 3 PA. Donc en fait, Lou vous donne la moitié de vos sorts, elle vous rend la moitié de vos sorts à 3 PA. Et si votre pioche est pleine, si votre main est pleine, les spells que vous piochez pour après coûteront 0. C'est juste gratos. Ensuite, un Nashmal, pourquoi pas, donc ça tape correctement, et la Brute Impie. Alors Brute Impie, là-dessus j'ai mis une augmente, qui me donne aussi un spell qui me permet d'avoir encore une fois de la mêlée. Voilà, c'est juste un sort gratos qui permet d'avoir un état qui va permettre à mon Yop d'avoir plus d'armure. Voilà pour les compagnons, voilà pour les sorts. Vous pouvez regarder un petit peu pour les utilitaires en éther, ça permet simplement d'avoir plus de déplacement, plus de liberté, mais aussi plus de dégâts. On va ici scale encore une fois sur notre armure, on a de l'armure, il faut en profiter. Concernant le brassard, j'ai mis un brassard au gant qui va simplement nous donner l'équivalent de 25% de notre attaque en armure. Donc quand tu tapes, tu te charges en armure. Mais en plus, j'ai mis une augmente dessus qui me permet d'avoir non pas 25, mais 35% d'armure. Avec ça, côté anneau, anneau sif, avec un anneau rigant, anneau scillation et anneau rible. Donc anneau rible, c'est pour les crits, mais cet item, c'est surtout parce qu'il a des augmentes très 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 bonnes. Et puis surtout, c'est un item accessible, vous allez très facilement drop tout un tas. L'anneau scillation, pareil, item commun de la même manière que l'anneau rigant. Alors l'anneau scillation, c'est tant que tu as de l'armure, tu as 25% dégâts en plus. C'est énorme, hein, 25%. 25%, ça se rapproche d'un item qui en deck 15, qui donne 30% de base. Bah là, vous avez 25% pour un deck 9, c'est énorme. Et l'anorigan, alors l'anorigan, à chaque fois qu'on va faire un crit, on va piocher une carte. Et on a besoin de pioche avec ce Yop. Donc c'est pas mal. On termine avec l'anocif qui donne 20% dégâts d'attaque pour 10% de vie en moins. Mais on s'en fout de la vie, t'es toujours full shield. Donc c'est exceptionnel. Bref, je termine. On a besoin aussi de crit. Donc on essaie de mettre des augmentes en crit. L'augmente qui est full bénéfice sur le brassard, c'est 2 fois 10% crit. Donc on a 20% crit avec le brassard en plus. Et on a sur les anneaux 5% crit à chaque fois, ce qui fait que j'ai 45% crit, quasiment une chance sur deux de crit, sachant que quand on crit, bah, on chope un spell, et ça marche aussi avec les sorts. Voilà pour ce Yop, du coup, côté compétences, j'ai mis le déchaînement juste là, mais qui permet à la fin de notre tour de proc une grosse crocobure, donc la crocobure, en quelque sorte, vous que vous connaissez sur Dofus, elle fait des dégâts autour de nous. Alors là, c'est pas une zone vraiment full cac, c'est une zone carrée, donc c'est encore mieux. Une zone bain de sang, voilà. Et derrière, ça fait 25% de dégâts, enfin 25% de notre armure en score dégâts.
Donc c'est vraiment pas mal. Si vous avez 600 d'armure, par exemple, faites 150 autour de vous. Et avec ça, le maître juste lame. Donc ça, ça nous permet d'avoir plus de shield. Et plus il y a d'adversaires autour de nous, plus on scale notre shield. Ensuite, je mets tout en attaque. Je suis un malade. Peut-être qu'il y en a qui préféreront au moins avoir un stack de vie. Moi, j'estime qu'on n'a pas besoin d'avoir de la vie. Tu es toujours full stack en armure. Donc tu pars full puissance à droite. Et les sorts des terres que je vous ai montré. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Alors, quand vous cherchez à faire mon kit... ce que vous faites, c'est que vous arrivez sur cette map, ok. Vous faites surtout vos quêtes journalières. Là, je suis un mauvais élève, j'ai pas fait mes quêtes journalières aujourd'hui. Vous cliquez sur le point d'interrogation en haut à droite, et vous regardez un petit peu où est-ce que se chopent les anneaux que je vous montre. Des fois, c'est sur la nation, malheureusement, de Bonta et de Brakmar. Aujourd'hui, c'est pas le cas, visiblement. C'est chiant quand il y a des items que vous cherchez ici, parce que vous pouvez pas les acheter. Donc, si vous ne dropez pas dans ces îles... bah, vous pouvez pas les acheter à une boutique, alors que pour le coup, le bateau en pierre, par exemple, si j'arrive pas à dropper et que j'ai besoin de mon brassard cantiel, c'est pas grave, je pourrais l'acheter. Bon, alors qu'est-ce que je peux loot d'intéressant? Généralement, on focus item légendaire, mais ça dépend s'il y a plusieurs fois un item que vous avez équipé. Vous le voyez très simplement, hein, quand vous avez équipé un item, il y a écrit E dessus, donc ça veut dire que c'est intéressant de farmer cette île. Pour essayer d'en choper un max, pareil pour les compagnons, c'est bien si on a deux ou trois à chaque fois. Purée, j'ai pas de chance, aujourd'hui j'ai une mauvaise pioche, hein, c'est le cas de le dire. Donc on peut aller farmer l'île des cochons. Le problème de l'île des cochons, c'est que les mobs, je vais peut-être avoir un petit peu de mal à vous montrer l'intérêt de mon stuff. Puisqu'ils vont fuir, on va aller sur l'île Bouffetou, comme ça je pourrais dropper de l'anocillation. Parce que l'intérêt maintenant, c'est de vous montrer surtout comment fonctionne ce kit. Hop, on va là, en plus j'ai une quête journalière, c'est super. Ok, est-ce que je peux faire la quête? Aider Daphnis dans le donjon Bouffetou. Ok, ben on va faire un donjon Bouffetou, tranquille. Alors, apparemment, je suis bloqué à l'étage 40. Enfin, je suis bloqué, c'est juste que j'ai pas été au-delà, donc on va faire l'étage 40 en solo. Donc mon yop, encore une fois, il est niveau 50. Là, je suis en train de faire un yop Kassai pour changer un petit peu mon kit, mais c'est toujours un plaisir de jouer ce perso. Ok, alors je vois un petit peu, l'adversaire ciblé doit être achevé avant d'invoquer un compagnon. Ce qui est très bien aussi avec ce yop, c'est que tes compagnons, tu t'en fous. Tu t'en fous, tu n'as pas besoin d'invoquer tes compagnons, donc ce genre de tchal, c'est extrêmement facile. Et ensuite, on va peut-être scale un petit peu d'armure. Donc là, j'ai les adversaires qui sont en mêlée, j'ai fait un spell avec un état mêlée, donc je proc de l'armure gratuitement. Je fais ce spell parce qu'il me semble que ça me donne de la pioche. Voilà, je m'en souvenais plus, ça faisait 12 heures que je n'avais pas joué mon yop. Ok, donc là, j'ai 330 d'armure. C'est pas trop représentatif, en vrai, c'est quoi, parce que les mobs font pas grand chose. En termes de rocks, généralement un mob niveau 50, on va dire qu'il a environ 100 en attaque. Donc faut estimer que si on veut être à chaque fois au-dessus des dégâts des adversaires, il faut avoir à chaque fois peut-être 400-500 armure. Bon, ça se fait avec ce yop, vous allez voir. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire Fulgure, qui va faire un petit dégât sur ce mob. Après, je vais déclencher de la mêlée avec ce spell. J'augmente aussi mes sorts et ça me permet très facilement... d'avoir beaucoup de dégâts supplémentaires. Je chope un 560 d'armure, impec. Je vais taper lui, celui qui a plus de vie. Ça me permet encore une fois d'avoir de l'armure. Je monte à 700. Je passe tour. Bah, 700, j'ai le full clean, quoi. Donc, ça te permet vraiment d'avoir beaucoup de dégâts en zone. Et c'est pour ça que je kiffe ce genre de perso. Pas d'item légendaire. Même pas besoin des fois de compagnon. C'est lui tout droit. Alors, je sais pas où il est, le PNJ. C'est pas lui. Il y a une chevelure verte. Il me semble. Bref, on continue ici. On peut se projeter de cette manière. On va attaquer ce mob. Alors, attaquez avec votre attaque directe ceux qui ont plus de vie, en général, parce que votre crocobure, on va dire, autour de vous, va généralement descendre la vie naturellement des autres mobs. Ok, donc lui, par exemple, on peut considérer qu'il est mort. On n'a plus à s'en occuper. Alors, c'est chiant, les mobs qui attaquent, mais qui ne restent pas à votre mêlée. Ça va rendre fou. Ah là, on a vraiment une zone parfaite. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire simplement deux sorts qui vont proc de la mêlée. Alors ça, c'est votre sort préféré, je pense. Touche enflammée. Ouais, touche enflammée, quand on crit avec, ça fait un truc fou. Je vais essayer de faire un crit. Ah, j'ai pas crit. Parce que ça fait à chaque fois des dégâts autour de nous. C'est un truc de dingue. Et derrière, je peux faire ce sort qui va encore proc de l'armure, bien sûr. De toute façon, je vais pas le répéter à chaque fois. C'est normal si vous terminez toujours vos combats avec... des fois 600, 700, 800, 1000 d'armure des fois en fin de combat, c'est normal, c'est le perso. Ok, donc là on a le full clean, et on enchaîne avec l'avant-dernière salle, il me semble. Non, il est toujours pas là le perso qu'on doit aider.
Peut-être que j'ai loupé, hein. C'est la première fois que je fais cette quête. Je peux avoir fait une connerie. Alors du coup, 45% de chance de crit. Vous avez crit souvent. Hein. Et le crit, c'est plutôt pas mal. Alors quand vous êtes comme ça sur un seul mob en face de vous, j'ai envie de vous dire, gardez vos spells 3 PA de côté pour vraiment faire un maximum de proc mêlée pour plus tard. Ok. Lui, du coup, il va terminer sa course en Diago. Et lui, malheureusement, il se met derrière, c'est dommage. Allez, avance, s'il te plaît. Impec. Alors, je vais un petit peu ce que je peux faire. Je peux faire une attaque directe là. Dommage, j'ai pas crit. Et on va égaliser à côté. Ah, il veut pas crit aujourd'hui en perso, c'est un truc de fou. Non, mais les crits, c'est trop important sur certains sorts en plus. Regardez un petit peu le proc croco, moins 157. Pas mal du tout. Ok, je me fais un petit peu entourer. Alors, sur ce genre de mobs qui sont bas level, le confort, c'est évidemment tu passes ton tour, t'as pas besoin de jouer. Quoi. T'as pas besoin de jouer, ton passif va l'éclime naturellement. Ok. Alors, est-ce que c'est ici, du coup, que je dois aider le PNJ? Bah, je l'ai pas trouvé. Je pense que j'ai loupé le truc. Daphnis sanguin. J'ai dû le louper. Bon, allez, on arrive au boss. Après, je vais peut-être faire un combat un petit peu plus costaud pour montrer sur les mobs de mon level quelle strat on peut adopter. Alors, lui, il faut que je tue au centre du plateau, donc c'est pas grave. Dans ce cas-là, on va aller au milieu et patienter. Hop, on va faire ce spell. Alors, des fois, on fait nos spells juste pour essayer de proc un maximum d'état et invoquer Lou le plus vite possible. Parce que Lou, elle va vraiment nous carry pour certains combats. Pour l'instant, je vous dis, j'ai pas besoin d'invoquer de compagnon. Il y a même des combats de mon level où l'invocation de compagnon se fait pas forcément ressentir. Mais les combats que je vous montrais, vraiment, on va devoir réfléchir en deux fois. Alors, ce que je peux faire ici, c'est commencer par une attaque. Non, je fais une connerie en commençant par une attaque, je viens de me rappeler. En fait, il faut d'abord proc des shields, parce que quand on a des shields, on a plus de 25% de dégâts d'attaque, je vous le rappelle. Alors ça, il faut que je crit avec, c'est le fulgure. Fulgure, meilleur sort. Putain, mais pourquoi je crit pas? Je suis à une chance sur deux crit, je crit jamais. Pas grave. Je préfère qu'on crit pas sur des mobs niveau 40 qu'après sur peut-être des donjons 70+. Allez, mettez surtout vous bien autour de moi. Au bout d'un moment, les bouffetous ont une sorte d'ataraxie autour d'eux. Ça peut être relou. Allez, on va faire ça sur lui. On enchaîne. Il reste 260 HP sur celui-ci. Et du coup, on a un spell d'éther que je vous ai rajouté. C'est l'armure brutale. Donc ça sert, en fait, tu fais la moitié de tes dégâts. La moitié de tes shields, pardon, tu les fais sous la forme de dégâts. Voilà. Donc ça peut te faire des clean comme ça. En monocycle, un perso, un tofu qui se lagne, qui est hyper casse-couille, et qui joue les intouchables, bah toi, tu le snipes. Si t'as bien proc tes shields, tu peux limite le one-shot. Ok. Un petit peu long, des fois, les animes. Et on enchaîne. Ça, c'est parce qu'on est habitué à farmer le colis. On veut que tout aille vite. On peut pas ce tour, il est mort. Et du coup, non, bah je pense que j'ai pas la quête. Hein. C'est pas grave, je regarderai un petit peu plus tard, de plus près, si j'ai pas loupé quelque chose. Tac, tac, tac. De toute façon, vous me direz en commentaire, vous me direz, mais non, tu pouvais faire ci, tu pouvais faire ça. À ce moment-là, tu pouvais changer de pièce et aider le PNJ en question. Oui, bon, peut-être qu'au moment où vous écrirez votre commentaire, j'aurai trouvé la solution, mais c'est quand même sympa de votre part. Et vous voyez, ça c'est la boutique dont je vous parlais, ça c'est trop bien parce que si jamais tu chopes pas ton item légendaire que t'as besoin, bah à chaque fois ici, il y a l'item lège qui est proposé à la vente. Allez, je vais faire un mob niveau 70. Je suis en train de galérer sur le 78. Pas facile. Donc ici les bouffetous sont niveau 72, autant vous dire qu'ils sont bien vénères, ils ont 150 d'attaque. Tu te chopes 2 crits, t'es mort quoi, parce que t'as 500 HP de base, il faut vraiment avoir du shield avant de rentrer dans le mêlée. Donc là, je vais faire de la pioche avec ce spell qui me permet aussi de me déplacer, mais là, je m'en fous. Et on fait cette action pour avoir une jauge terre en plus. On va essayer d'invoquer Lou au moment où ça deviendra la merde. Vous allez voir que pendant un temps, je vais savoir à peu près résister. Surtout là, si je suis loin, il se passe pas grand chose, on est d'accord. Mais à un moment donné, il faudra avoir de la pioche et à ce moment-là, Lou va bien nous être utile. Bon, alors, ce que je peux faire, c'est peut-être me faire un rayonnement puis une TP. Je vois un petit peu comment le combat se déroule. Ouais. Alors, je fais ce spell. Ça me donne un PM en plus quand je lance. Donc ça peut être pratique. Parce que dans ces cas-là, je peux rusher et faire un coup de cac.
Ouais, on va faire ça, tac, et peut-être... Ah, j'ai pas envie de faire la touche enflammée. Non, pas envie. Du coup, je vais faire un rayonnement. Alors, c'est con, généralement, de faire le rayonnement avant de taper, parce que le rayonnement nous donne un boost de 10% de dégâts en plus. Mais là, il fallait que je le proc en mêlée. Et en le procant en mêlée, il me donne surtout du shield. C'est plus important ici d'avoir du shield qu'un petit peu d'attaque en plus. Ils me font pas de crit, ok, ils sont cool. Ils ont 5% de crit, parce qu'à des moments, tu te chopes de crit, hein. Je vous dis ça. Ça m'est arrivé. Impec. Alors ce qui se passe c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire que eux on va pouvoir les taper avec notre croco, mais vous voyez un petit peu les shields qu'ils ont, ça c'est un effet troupeau qu'ils ont, et qui est pas trop plaisant quoi. Bref, j'ai 330 HP, il faut que je proc du shield, et surtout il faut que je déclenche rapidement loup. Alors je vais faire fulgure d'abord en first, sur un autre perso que le bouffetou en face de moi, et ensuite je vais faire touche enflammée. Regarde un petit peu la touche enflammée, si je crit, oh j'ai pas crit. Ah, lui je l'attaque en dégâts directs, je fais un crit, c'est super. Et je peux pas encore invoquer loup, ça arrive. Donc je clear un mob, eux ils vont pouvoir bien me défoncer, mais c'est pas grave. Tant que j'ai proc mon shield, ça devrait être suffisant. Ouais, est-ce qu'il me rush en ligne? Ouais. Ah oui, Ah oui, lui, il charge quoi. Il charge à moins 300 quoi. Bah presque mes HP de base. Stylé. C'est une attaque pour lui. Bon, alors je vais pouvoir invoquer loup avec cette démonstration brutale. Vous allez voir, il faut que je la fasse sur ce mob, visiblement. Quoique, plutôt celui-ci. Alors ça fait les dégâts de notre attaque de base. Hein. On proc notre armure, j'invoque loup. Loup qui va me permettre de dégager son invu de merde. Super, derrière il me reste 4 PA. Alors à 4 PA, je vais refaire ce spell, la touche enflammée. Si je crit encore une fois, c'est incroyable. Mais mon perso veut pas crit, c'est dommage. Ensuite, je peux faire un rayonnement à la limite. Rayonnement qui va encore me donner des shields. Et qui va permettre à mon attaque de faire plus de dégâts et donc de donner plus de shields. Je vais le faire sur lui. Ouais. Pff. Moins 400, exceptionnel. Je monte à 700 de shield. Bah, c'est bien. Je devrais survivre au moins pour ce tour. Ok. Très bien. Le mec tape deux fois. Ce qu'il veut. Et c'est tout. 230 HP. Ah non, pardon, c'est pas fini. Il y a encore des spells. Ok, 170. Lui, il est mort avec le proc croco. Donc lui, je peux le taper de loin. Je crit, c'est cool. Ça me permet de choper des shields. Derrière, j'ai 4 PA encore pour faire deux actions grâce à loup. Hein. Vraiment, quand on chope loup, qui nous rajoute nos spells pour 2 PA, c'est exceptionnel. Je peux taper en dégâts directs, ça one shot apparemment. Je chope encore des shields. Et derrière, je peux faire encore une attaque terre qui va me permettre de proc mon dernier compagnon. Ouais. Allez, si je tue pas, on va faire sur lui, à la limite. Ok. Brut impie, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que, regardez, j'allance et ça me donne derrière bah, encore un spell qui me donne de la mêlée. Ouais, le kit est cohérent, hein. On clean tout ça autour de nous. Et vous voyez, on est sur un deck 9, mais franchement, on a de la pioche. Hein. Et les sorts d'éther, des fois, on les met un peu en complément. Bah pour le coup, les sorts d'éther, je peux bien les spam. Surtout quand on chope toute notre armure. Là, cette armure brutale, par exemple, qui me coûte 3 PA, bah elle fait 600 dégâts. Ouais, 600 dégâts, c'est pas rien. Bah tiens, pour le fun, je vais faire full sort d'éther pour terminer le combat. Donc d'abord ce spell... qui fait la moitié de dégâts de ce que j'ai en armure. Ouais, ensuite, je fais ça, ça clean ce tofu. Ah non, je me suis trompé. C'est pas grave, parce que la croco clean forcément. Et du coup, on a géré un combat, niveau 112. Vous avez vu un petit peu les dégâts des bouffetous. Bah, le deck est cohérent et permet vraiment de s'en sortir. Il faut des fois jouer un peu de manière stratégique, hein, forcément. C'est Wyvern, tu rentres pas toujours dans le tas. Mais ça le fait. Bon, c'est tout du coup pour ce Yop. Juste l'âme, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Il y a tout un tas d'autres decks qui sont possibles je pense sur ce perso, mais à mon avis ce deck 9 il est quand même bien plaisant et encore une fois bien accessible. Vous laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite sur Twitch ou sur YouTube.